Salut à tous mes chers amis geeks et geekettes, bienvenue puisque nous allons continuer notre partie de Super Mario All-Star. On continue de parler de la Super Nintendo puisque je vous avais expliqué que je l'avais eue à Noël avec, quand j'étais tout petit, c'est comme ça, avec dedans Super Mario All-Star, le pack avec Super Mario All-Star et la Super Game Boy. Et bien voilà, c'était l'occasion de parler de ce jeu. Tac, Super Mario All-Star, avec un t-shirt qui ne va pas du tout avec. Quoique, keep calm, c'est marqué dessus, keep calm and finish him. Donc on va rester calme et le finir. On a déjà fini Mario Bros 1, on a déjà fini Mario Bros 2. Nous allons finir Mario Bros 3. Voilà, évidemment. Et comme ça, on aura fini avec tous les Mario présents sur Super Mario All-Star. C'est faux, puisqu'il y a encore Mario Lost Level, qui est le véritable Super Mario Bros 2. Et il y avait même une compile qui est sortie plus tard, de Mario Star plus Super Mario World. Et ouais, qui était présent aussi dans un pack de Super NES, mais bien après. Allez, tout de suite, c'est parti, amusons-nous. Sous cette jolie musique, on est parti. Le curseur du truc, on s'en fout. Mario Bros 2, le dernier jeu qu'on a fini, non, sans difficulté, franchement je m'attendais pas à ça. Et maintenant c'est parti, Mario Bros 3. Alors, petite anecdote, on voit un rideau qui se lève pour ce jeu, parce qu'en fait, Miyamoto avait expliqué que ces personnages, c'est uniquement des acteurs qu'ils interprètent un rôle. Et c'est pour ça qu'on dirait une scène de théâtre, et c'est pour ça qu'on voit le rideau qui se lève. C'est sympa, hein. Alors dans ce jeu, on a la Battle Game, des mini-jeux qui étaient fort sympathiques pour l'époque, et je suis même pas sûr qu'ils étaient présents sur la NES, je ne sais plus. La Battle Game, en fait, eh bien vous avez Mario Bros, le tout premier, pas Super Mario Bros, mais Mario Bros, voilà, où il est dans les égouts. Allez, c'est parti. Il faudra que je me souvienne des touches pour activer les pouvoirs. Hop, allez, alors, faut pas que je me plante avec la jouabilité qui est, n'empêche, différente des Mario actuels, ça c'est clair. Il y a une différence. Et quand on n'a pas l'habitude, ça peut surprendre. Alors là, on a la feuille. Souvenez-vous, la feuille. Tac. Et d'ailleurs, il me semble avoir tué tout ça. Et il y a quelque chose en haut, si je me trompe pas. Donc évidemment, un super pouvoir. Et merde. Voilà, feu. Oh. J'allais dire, je vais réussir à me faire niquer. Voilà, les souvenirs reviennent. Connasse! Tu rêves, toi, tu reviens. Bon, alors, on va utiliser les save states, hein, on va utiliser tout ça. Et les raccourcis et tout, je vous dis tout de suite, la flûte et tout, on va essayer d'y aller au plus vite. Et en même temps, je vais en profiter pour vous montrer une technique que j'ai trouvée. Alors, sans magazine, sans rien. Pour finir le jeu de manière très efficace et très rapide. Oh. Ah merde, c'est pas là, c'est là. J'ai loupé une pièce du coup. Oh, c'est pas grave. Ah, c'est pas le monde là. Ah zut, normalement j'arrive à avoir une étoile au passage là.
Je sais plus où est la flûte. Au niveau 2, alors. Je me suis trompé, je voulais... Alors attendez, on va faire des save states quand même. Déjà, on peut faire une sauvegarde ici, mais je pense pas que ça sert à grand chose. Je sais plus. Si. Save state. Je me rappelle plus de la touche. C'est bon. Donc là, je vous épargne de faire cette vidéo en live pour pas que vous ayez à subir toutes les fois où je perds. Là, il y avait aussi quelque chose. Oh là là. L'habitude me perd. Voilà. Et là, faut attendre tranquillement. Voilà. Ah, les souvenirs, les souvenirs. J'ai pas rejoué depuis bien longtemps, hein, je vous dis quand même. J'ai pas relancé de partie avant de faire la vidéo. Ah, les musiques. Les musiques des Mario. Toujours emblématiques. Hein. Tudu. Hey, je m'en rappelle de ça. Et là, j'aurai l'étoile. Si tu cours, que tu cours vite, en général, tu as l'étoile. Mais du coup, j'ai loupé pour avoir les 5 vies. Alors, attendez, sérieusement. Voilà, ok, j'ai trouvé. C'est là, c'est ici qu'on aura la flûte à la fin du niveau. La première flûte. Alors déjà, ils nous mettent. Vous voyez, j'ai tendance à râler que. Il y ait les frères Marteau assez rapidement dans les derniers Mario, les New Mario et compagnie. Ben là, ils arrivent quand même au premier monde. Hein. Non, c'est pas les frères Marteau, c'est les frères Boomerang, mais quand même quoi. S'il y avait quelque chose là. Bref, on s'en fout. Tac, ça je m'en rappelais plus. Bon, je loupe des pièces, on s'en fout, hein, ça. Casse-toi. Bon, ils sont moins méchants. C'est là, je crois. C'est là. C'est là. Et là, on est derrière. Allez, c'est sympa. Hein. C'est, on est derrière le décor. Ah merde, elle me touche quand même, connasse. Ça se fait pas. Elle me touche quand même. Et là, hop. Alors, ah. Si j'appuie pas sur la touche, ça marche pas. Première flûte. Alors les flûtes, je le rappelle, une fois qu'on les utilise, on peut rejoindre... C'est une warp zone, on va rejoindre les mondes suivants. Les mondes plus avancés, vous allez voir. Allez, le milieu. C'est pas vrai. Je prends toujours le milieu en général et je me fais niquer. Ça, hein, aussi des souvenirs. Hein. Ça, c'était bien. Allez, entente. Ah. Putain, mais va te faire foutre. Va te faire foutre. Ça y était presque. Allez, à la poursuite de la deuxième flûte. Et je pourrais pas la voir. Parce que ici, il donne pas. Eh oui. Et zut. Oh bah tant mieux. Tant mieux parce que je peux pas la voir là. Et voilà, retour au château. Je n'avais pas la feuille donc qui est là maintenant. Ça va être possible, je ne peux pas récupérer la flûte sans la feuille. Et je me trouve plus à l'aise avec la feuille pour pouvoir réussir ce niveau. Je sais pas, dans ce jeu-là, je trouve ça excellent la feuille. Ça aide vraiment à être plus à l'aise et à ne pas se faire toucher. Ah là, par contre... Ah, ils ont donné une à la fin, je suis con. Alors, si je me rappelle, là. Voilà, et là on monte là-haut.
Alors, on peut le faire avant même, hein, normalement. Et voilà. Oui! Nouvelle flûte. Un flûte alors, qui va nous servir pour... Oh putain, la blague de merde. Qui va nous servir pour... pour aller au monde 8 directement. Et oui, et oui. Ça, direct, toboggan. Toujours les petits échos, les petits... hop, hop, hop. Boum. Ah, il y avait peut-être un truc là. Ouais, je sais pas. Je sais plus, franchement, je sais plus. Ouais, là c'était un peu le piège, parce que parfois on pouvait se tomber dessus. Dégage. Il y a quelque chose? Non. Peut-être un peu trop haut là dans le micro, du coup je l'ai remonté et puis. Je trouve un peu trop. C'est chiant à bien mettre en place pour que ce soit. Pour que ce soit bien. Voilà, bah c'est les doigts dans le nez, hein. On est bien là. Combien de vies je gagne? Une seule. J'aurais pu en avoir 5, je crois, avec les 3 étoiles. C'est pas très grave, on s'en fiche, hein, de toute façon. Hop, chaque fin de niveau, une petite save state. Pour être bien. Oh putain, il va falloir affronter les frères marteaux. Alors, je peux vous dire que. Platch, dégage. Un monde comme ça, et là, je suis sûr qu'ils vont donner une fleur. Ah non, ça va, ils sont sympas. Un niveau comme ça, on est très content d'avoir. D'avoir la feuille, le raton laveur. Parce que bah, on est à l'aise, mais vraiment à l'aise de chez à l'aise. Ah oui, alors là. Il va falloir aller vraiment. Hop. Tac. Et tout en finesse. On est bien. Oula, faut pas que j'aille trop tôt, les gars. On va se mettre bien au fond. Et c'est parti. Putain de connasse. Elle m'a fait sauter trop tôt. Ça va? On me voit bien? Si je... Oh putain, je dois les affronter tout de suite. Les salopards, là. Si je le prends avant, j'ai le champignon. J'aurais pu avoir l'étoile encore une fois. Fait chier. Oh, il est tout seul, ça va. Mais va te faire foutre avec ta fleur. J'en veux pas. Bien. Bien, on va commencer avec... On peut activer l'étoile pour être invincible. Allez, amusons-nous. Arbre de premier. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Déjà tout à l'heure, c'est incroyable. Alors, monde final, niveau final. Et ensuite, je vais vous montrer une technique. C'est parti. Oh mon dieu, le roi s'est transformé en serpent. Ah pareil, cette musique, quand ils l'ont remis dans Mario Galaxy. Mais j'étais heureux. Tom. Alors le monde 8, les niveaux, ils seront beaucoup comme ça, hein. Il va y en avoir beaucoup. Par contre, affronter le boss avec avec la feuille, je sais pas si ça sera top. On va voir ça. Et là, normalement, on va avoir une fleur. Ouf. Ouais, je vais garder la... J'espère ne pas regretter, mais je vais garder ça pour le moment. On peut leur sauter dessus, hein, au truc, il n'y a pas de souci. Voilà, on arrive au bout. Et c'est parti. Ah, super, on va te faire enculer, putain.
Allez, casse-toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse le monde vite maintenant avec simplement un champignon. C'est gagné. C'est une victoire. C'est beau, c'est mignon. Et c'est une victoire. Nous avons sauvé la princesse. Et alors, regardez bien ce qu'on gagne. On gagne le petit P avec l'aile avec le petit P à l'intérieur qui fait qu'on peut voler indéfiniment dans le monde. Merci, princesse Toadstool, de m'offrir ça. Alors là, c'est pas compliqué. Bon, je vais quand même faire une safe state pour être sûr. Le mec qui a pas confiance du tout. Vous faites sauvegarder et quitter. Et vous reprenez. Mais au monde 1. Et là. Ah, par contre, je me rappelais plus qu'il fallait tout se retaper. Par contre, on a notre petite aile avec le P à l'intérieur. Eh bien, si vous vous retapez tous les niveaux. Donc 1, 2, voilà, vous allez directement, refaites tout, hein, et vous allez directement au château. Vous obtiendrez encore une petite aile avec le P à l'intérieur. Vous faites ça autant de fois qu'il y a de niveaux dans le monde 8. Et vous faites tous les niveaux du monde 8 en volant au-dessus du niveau, sans vous faire toucher une seule fois. C'est une petite astuce. Et à la fin, pour le château, par contre, on ne peut pas le faire, il faut faire le château en entier. Voilà. Mais là, on va pas le faire. On va directement aller au monde 8. Première flûte. D'ailleurs, c'est Zelda, en fait. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on va pouvoir aller au monde 8? Je sais plus. Oui, bien évidemment. J'avais eu un petit doute. Et nous voilà au monde final. Alors là, ça va y aller, hein. Les bateaux, les tanks, les trucs, les bidules. C'est parti. Hein. Honnêtement, j'espère qu'on va pas trop en chier, mais j'ai un peu peur. Je suis tout petit, nique sa mère. J'aurais pas dû prendre la sauvegarde là. En effet. Ah bah oui, forcément. Bon, retour au monde 8, mais cette fois-ci avec la feuille. J'espère que ça va mieux se passer. Ouais, tout est mis en place, en fait, pour que tu te fasses toucher, c'est chiant. Wouah, mais merde! Vache, mais tu m'étonnes que je faisais avec le truc pour voler indéfiniment, là. Waouh. Et t'as intérêt à te concentrer tout le temps. Hein. Tac. C'est un truc de fou. Waouh, mais c'est un truc de fou. Franchement, je me souviens pas que le château. Oh putain, était aussi dur. Et là, comment que je passe, hein? Si t'as pas la feuille, tu l'as pas. Hein? Je peux vous garantir que ça va être un montage de fou à faire, parce que putain, il y a des ennemis partout. Waouh, mais comment je passe?
La vache, franchement, c'est encore plus dur. Wow, mais il y a un moment donné où ça s'arrête ou pas? Regarde-moi ce canon. Il y en a partout. Waouh. Dis pas qu'il y a un boss. Mais bien sûr qu'il y a un boss. Putain. Fâche. Oh putain, on gagne un truc de je sais plus quoi dire. D'invincibilité. Waouh. Bon, bah on va faire celui-là alors. Est-ce qu'on prend un truc ou pas? Allez, on y croit. C'est parti pour la souffrance. Aussi, quelle idée de venir sur le... Oh là là, putain. Ah ouais, d'accord. Je veux dire, les trucs qu'ils envoient... Ils me suivent. Je suis passé dans un cul de poule là, je sais pas ce que j'ai fait. Faut que je fasse quoi là? C'est la rage partie, je vous jure. C'est... Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a qui font ce jeu les doigts dans le nez, j'en suis certain. Regarde, ils repop avec leur clé à molette de merde là. Bande d'ordures. Oh non. C'est dingue. Et la vitesse à laquelle il lance son truc là. La vitesse à laquelle la... Oh, comment ça, il a juste un là. Mais... Allez vous faire enculer, vraiment. Il repop direct. Hein, pour passer, ça va être encore une fois... infernal. Oh, bien. Baboum. Non, vous avez pas le droit de faire ça. J'ai peur. Si j'avais une fleur de feu, ça serait pas mal. Oh putain, carrément. Allez, casse-toi. Tu pues la merde. Je regarde là, alors que la mère elle est là. Nous avons ouvert la porte vers un nouveau destin. Petite sauvegarde. Putain, mais à l'époque je m'étais pas fait chier. Je les ai même pas fait les niveaux. J'ai pris le truc là, puis tout en haut. Je vous montrerai peut-être une fois. Oh non, putain. Ça va être la chiasse aussi, ça. Bon, bah de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On faut y aller. Oh là là, regarde la vitesse à laquelle il envoie ses conneries. Oh putain, il y a plein de trucs. Me dis pas qu'il y a encore un autre... Une autre connerie, parce que... Allez, va te faire foutre. Monte ! Et il y en a encore 4 à faire. Il y a... Ah, on peut passer un peu plus... Ah bah ça va, il n'y en aura peut-être que 2. Qu'est-ce que ça va donner encore ça? Qu'est-ce que ça va donner? Je suis... concentré.
peut-être même sans le centrer. Voilà là. Attention, le saut de la mort, le saut de la mort. Ah, si c'est que ça, ça serait pas mal. Ouais. Il va y avoir un boss, il va y avoir un boss, il va y avoir un boss. Pourquoi vous faites des trucs? Mais les gars! Mais là, c'est tout simple. Tout à l'heure, c'était la catastrophe, l'horreur totale. Mais c'est très bien, ça. C'est très, très bien. Bon, ça va, il y en a 3 sur 6. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça... Encore des connards, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Oh putain, des poiscailles. Allez, on run. Ne te bloque pas, c'est la mort si tu te bloques. C'est pas possible. Faut que je sois petit pour passer. Vous êtes à ce point-là. Mais c'est fils de pute, bordel. Bon. On a quand même... Ça. Ça, ça va. On est bien. On est bien. Si j'étais sûr que c'était le dernier niveau, j'utiliserais mon petit... Arrêtez vos conneries un petit peu. C'est pas possible. Ah là, c'est le niveau de... Je peux pas éviter tout et devoir courir comme un taré, hein. Mais là, je peux pas... Oh putain, c'est... Et il te fout dehors, hein. Et voilà, et c'était sûr, et c'était sûr, et c'était sûr, et c'était sûr. Et c'était sûr. Qu'est-ce que... Il y a une espèce de... C'est trop dur, hein. Il y a une espèce de... Non! Putain, presque. Bon, vous savez quoi? J'ai pas envie de m'emmerder avec ce niveau. J'espère ne pas regretter ce que je vais faire. Mais fuck! Voilà, je sais même pas où il est quand il revient. Allez, boss. Oh putain. Patch. Allez, voilà, viens mon gars. Oh l'enculé! Dégage. Et ce niveau ne fonctionnera plus maintenant. Ce power-up ne fonctionnera plus. Donc... Oh là là. Oh là là, oh là là. Que va-t-il se passer? Hein? Un niveau normal? Ça, je m'en rappelle plus du tout. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Eh oui, ben bien sûr. Ils sont beaucoup plus rapides. Ah oui, ben c'est sûr, c'est sûr. Comment tu veux passer ici? Pas comme ça. Je suis touché quand même. Je me rappelais pas que c'était aussi dur. Je vous jure, c'est vraiment... Il y a le fantôme qui me suit constamment. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Oh là là, oh là là, oh là là. Et je me fais toucher, je vous jure, c'est... Il va y encore avoir une fille de puterie à la fin.
c'est hallucinant, je vous jure, c'est... Waouh. Faut dire que c'est aussi des jeux que j'ai plus l'habitude et que je vais directement à la fin avec les Warp Zone. Du coup, je passe d'un niveau tout tranquille, pépère, à BOM! Les trucs les plus balèzes. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Y a pas d'autre truc. J'aurais dû prendre tous les trucs pour... Oh, allez, on va ruiner. On s'en fout. Oh, allez vous faire mettre, Regarde-moi ça, putain. Là, putain. C'est totalement enfoiré, c'est totalement... Tout est méthodiquement fait. Pour te casser les couilles. En fait, je me rends compte que j'ai vraiment plus l'habitude. Waouh. Putain, il y a des sauts qui sont insupportables. Et puis il y a le temps en plus. Il se touche quand même, hein. Tu me touches quand même à la fin, espèce de grand méchant, pas beau. C'est pas possible, je vous jure. En fait, ces passages comme ça, super difficiles. Alors, ouais, il y en a plein qui aiment le challenge, qui adorent quand ça... Quand on a des niveaux avec beaucoup de difficultés. Moi, j'ai plus la patience, je vous jure. Ça me fait juste chier, quoi, en fait. Autant de difficultés. Je m'amuse pas, en fait. Mais moi, je vois que c'est la difficulté, pardon, parce que j'ai perdu l'habitude, hein. Oh non, un château, carrément, mais le monde vide, il est énorme, en plus. Oh non. Bientôt, j'ai plus rien, hein. Bon, j'espère qu'on s'approche, hein, parce que... Vraiment, j'en ai ras le sac. Oh, puis alors, c'est vraiment fait. Oh non, me dis pas que c'est un labyrinthe. Non, 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 non. Non, non, non. Je vous en supplie, me dis pas qu'il fait... Mais regarde-moi ça, il y en a deux, tu passes comment? Tu te fais toucher, c'est obligé, à quoi que. Bah, c'est bien sûr que si, je suis touché, c'est logique, je veux dire, il y en a deux. À moins que tu sois un ninja. Bon, il donne ça, ça c'est bien. Ouais, je sais pas, je sens mal ce niveau. Il court pas quand je demande de courir. Je vous jure sur la vie de ma mère que j'appuie sur la touche, il court pas. Putain. T'es sérieux? Pouah. Oh putain. Seigneur. Alors, est-ce qu'il faut aller par le machin? Ou est-ce qu'il faut aller dans la porte? Est-ce qu'il faut aller au machin? Je sais pas. Oh non, 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 non. Vous êtes des fils de... Des vrais... On va tenter la porte, on verra bien. Je sais pas. Bon, ça par contre, c'est très 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 cool, mais ça c'est pas cool. Ah
Ah, je vois bien par là. Wow. Ah bah non, j'en reviens, quel imbécile. Il y avait la porte là. Non, je me suis coincé, c'était pas là qu'il fallait aller. On va essayer d'avoir le boss, on va essayer. Bon, ça fait une heure que je tourne en rond, j'avais envie d'arrêter. Par là. Attention, ça va repartir. Ah putain, par contre, j'ai plus de temps. Allez! Oh putain! Je vous jure! C'est l'enfer pour trouver le boss. Oh Seigneur. Regardez le temps qui me reste. Bon là, c'est parti, mais... Le nombre de trucs que j'ai fait pour arriver à la fin, ben, j'espère que là c'est fini, sinon je vous jure que je fais une pause parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. Oh nom de Dieu. Il est là le château. Il est là. Petite sauvegarde. Et on reprendra la prochaine fois. Parce que là, j'en peux plus. Vous le verrez pas. Moi, je vais faire une pause. Et je suis fatigué. Il est actuellement 1h05 du matin. Donc on finira la vidéo la prochaine fois, mais vous le sentirez même pas. Vous allez sans doute me voir avec un autre t-shirt. Voilà. Je souffle un peu. Après une longue pause, me voilà de retour sur ce jeu Super Mario Bros. 3. Et je garantis que je flippe. Franchement, je flippe. Hein. J'ai peur. Que va-t-il se passer maintenant ? Alors, que je me rappelle des touches. Ouais, c'est direct. Allez, on s'en fout. On y va. Cash. Ok. Super. Ok, c'est ça. Allez, on y va. C'est parti. Je m'étais trompé de touche tout à l'heure. On y croit. Normalement, on doit pouvoir grimper en haut. Ça serait pas mal, quoi. Combien de secondes... Voilà, j'allais dire. Combien de secondes je vais garder ça. C'est... C'est automatique, on se prend le truc en pleine gueule tout de suite. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je vois les gens jouer, je vous jure. Ils y arrivent sans souci. Moi, c'est... C'est infernal. Je suis tout petit. Voilà, c'est... Allez, on est proche du château, on est proche du château, on y croit. On se fait pas avoir. Bon, je vous préviens, ça va être la fête des... La fête des safe states, ça c'est clair et net. Regardez-moi ça, ça me pousse. Ça me pousse. Allez. On est bien, on se fait pas avoir. Non, moment de latence. Je ne sais pas pourquoi. En fait, l'excuse que je cherche, c'est à cause de la manette. Mais là, on est
J'arrive plus à parler. On est proche du boss. Voilà. Ça a été. Allez, le boss, on se le fait le boss. On se le fait le boss. Hop. Un méchant, pas beau. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là, putain. Mais t'es sérieux. Ah putain, j'ai loupé. Ah si je loupe. Tac, avant qu'il... Ah, il vole pas. Yes. Ah. C'est difficile. On y est, ça y est, c'est le moment. Et le moment, c'est le château. Alors attendez. Voilà. On va prendre quoi? Oh putain. On va prendre ça. Et on va prendre ça. Le moment est venu. Que la fête commence. Voilà. Vite. Alors on prend pas. Là, on revient au début. Alors, ça labyrinthe encore une fois. Hein. Ah, si on vole. Faut pas rêver. Si on vole, on est bon. Alors là, j'ai carrément pris les premières sauvegardes. Hein. Wow, encore un peu, c'était la chute. Oh non. Allez, on renne, on s'en fout, ça me prend la tête. Bon là, c'est juste, on va dire, du... Ah, pour voir où je dois aller. Wow, je vous en supplie, donnez-moi. Ouah, ça passe. Affronter Bowser tout petit, ça va être impossible, il me faut quelque chose. Wow, oh putain. Couille de dinde. Non, t'es sérieux? Ah, ils sont gentils. Ça va me tuer. Oh là là. Vais-je arriver à Bowser? Ouf! C'est des solons. Bowser, où es-tu? Je rappelle qu'il y a le temps aussi. Le voilà! Ça y est. Viens mon petit. Viens mon petit. Oh connard. Bon, ça faut pas faire. Ah, pour moi, c'est juste analyser le pattern. Allez, viens si tu l'oses. Oh là là. Ah putain, le stress, c'est le stress. Allez, crache-moi tes saloperies. Bam! Allez-y, mon petit. Je vais te poutrer ton kiki, je me suis fait toucher. Ah, quand t'es grand... Ah là, il va bien haut.
Ah oh, putain, c'est trop chiant, sérieusement. Wow. C'est tendu. S'il pouvait se casser la gueule, ça serait pas mal. Pourquoi je suis en vie? Comment ça se fait que j'étais en vie? On va l'avoir, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Restez. Oh putain, c'est chiant. Ah là 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 là. Allez mon petit. Ouah le salaud. Il est bientôt mort. Nous avons poutré Bowser. Et voilà le travail. Non. Ne me fais pas ça. Je sauvegarde, parce que je vais réussir à me casser la gueule et mourir. Ne me fais pas ça. Ah, j'ai grandi. Le soleil, la lueur d'espoir. Thank you, but your princess. C'est une blague ou quoi? Là, tu me trolles, là. Hein? Vous foutez de ma gueule. Non mais c'est une blague. C'est tout ça pour ça? Je me suis fait chier dans le monde vide comme pas possible? Pour ça? Pour me dire oui, non, elle est dans l'autre château? Alors c'est tous les mondes qu'on n'a pas fait, hein. C'est parce qu'on a pris la flûte qu'elle nous dit ça? Ah non, mais vous êtes... Mais non, mais là je... Je m'en fous, je l'ai fini, pour moi c'est une victoire, point barre. Voilà. Je m'en fous. Je vous jure que dans ce jeu, surtout au niveau du monde 8, j'ai trouvé autant de difficultés qu'un Tortue Ninja sur NES, presque. Hein. Mais en fait, c'est pas que c'est aussi dur qu'un Tortue Ninja sur NES, c'est surtout que j'ai complètement perdu l'habitude, en fait. Du coup, je ressens une difficulté énorme. Alors, est-ce que c'est légitime ou pas? Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez le jeu aussi dur que ça ou pas. Mais comme ça m'a trollé. Ha ha ha. Je suis pas la vraie princesse. The end, voilà. Mauvaise fin en plus. C'est incroyable. C'est incroyable. Je revois juste une fois parce que c'est... Thank you, voilà. Ah mais ta princesse. Et dans un autre château. Là c'est pas une blague. Mais... Just kidding. Ah, c'était je rigole, just kidding. C'était une blague, il m'a bien trollé, c'est la vraie princesse. C'est pour ça que j'ai regardé. Et je suis grave moi aussi. Et... J'avais pas bien vu le just kidding, en fait, j'étais trop ému par la fin. Je vais juste regarder. Juste regarder. Je rigole, évidemment. C'est bien ce que je pensais. Oh, c'était une blague. Y a rien, on a sauvé la vraie princesse. Mais c'est très mignon, c'est très sympa comme fin du coup, pour le coup, hein, puisque maintenant c'est la vraie fin. C'est très sympa comme fin. Ta princesse est une chatte. Non, je rigole, on t'a fait la blague déjà dans Mario 1, hein, on t'a fait la blague sur Game Boy dans Mario Land, donc là c'est bon, hein, ça va. On a fini Mario 1,
2 et 3. C'était la Super Nintendo que j'avais eue à Noël 94. Ça m'a fait super plaisir. C'était un pack avec la Super Game Boy et Super Mario All-Star. Exactement ce Super Mario All-Star-là. Parce qu'elle avait un autre aussi avec Mario World aussi à l'intérieur. Mais je vais faire une petite pause des Mario parce que j'ai eu du mal à finir cette émission. Ouais, c'est pas évident. Ou alors, si on refait un Mario, vraiment, sans Warp Zone. Genre, si on fait Mario World, ça serait sans Warp Zone, qu'on le finisse en entier, du monde 1 au monde final. Comme ça, j'ai le temps de voir la difficulté augmenter et de m'adapter au délire. Parce que là, mon Dieu. En tout cas, on est arrivé, on l'a fini. Voilà, mais écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Après avoir souffert, après avoir fait une longue pause, vous avez vu, entre deux passages. Regardez, ça se voit, quoi. J'ai la barbe qui a poussé, j'essaye de laisser pousser la barbe, en fait, d'avoir quelque chose d'un peu plus propre. Bon, il va falloir encore patienter, hein, pour moi, c'est encore un peu dégueulasse, mais bon, ça va venir, hein, quand je serai grand. J'aimerais bien que ça prenne, on verra bien. Et du coup, ben, ça prouve que, hein, ça met du temps, entre les passages de jeu. Bon, faut dire aussi que j'ai plein de choses à faire. Voilà. J'ai bu mon café, j'ai même pas enlevé la tasse. C'est une honte. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. La petite cloche pour être au courant de toutes les autres vidéos. Nous allons continuer notre live sur Resident Evil 2. Nous allons faire du Street of Rage 3 aussi. Hein, on a fait les deux premiers, on fera le 3. On continuera Wing Commander 4. Mais Jean, ne t'inquiète pas, c'est prévu. On fera Wing Commander 4 sur... Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous. Je suis content, on a fini ce jeu, c'est très bien. Il ne restait pas grand-chose. Et puis voilà. À la prochaine. Bisous.